dois chercher un colis à la poste. Laisse tomber. Partir à la poste. On m'a dit, c'est pas ici. C'est à 10 minutes à pied. Sachant que l'adresse qu'on m'a donnée, c'est l'adresse de la poste. C'est vraiment incroyable. Donc là, on va chercher le colis au bon endroit. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Parce que le gars de la poste, il a ouvert mon colis. Comme ils n'ont pas mis de nom sur l'adresse de livraison. Enfin, ils n'ont pas mis de nom pour la livraison. Donc il a ouvert mon colis. Et il a dit, ouais, je suis désolé, il n'y avait pas de nom. Donc ça, c'était pour nous. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, restez là. Je vais ouvrir le colis. S'il y a un truc qui manque, c'est de votre faute. Il m'a dit, ok, il n'y a aucun problème. Mais il avait archi chaud, hein. Il avait peur. Parce que là, et les gars, aujourd'hui, je suis pas d'humeur aujourd'hui. Vraiment. Néanmoins, j'ai un deuxième colis à récupérer, celui de MyProtein. Donc on va faire ça bien. Et puis j'espère qu'ils l'ont pas ouvert aussi là. Normalement, c'est un tabac. Ils sont cool. C'est pas Colissimo, c'est pas la poste. Donc on va prendre ça. Là, je suis en train de faire un setup pour te filmer mon unboxing. D'accord? C'est mal barré. C'est très mal barré, vraiment. Parce que ça tient pas. Je vais mettre un contrepoids ici. Comme ça, normalement, on aura un truc cool. On aura un truc comme ça et on verra là. Normalement, ça devrait bien se passer. Normalement. Normalement, c'est bon. On est bon. J'espère juste que j'aurai une bonne profondeur. Mais normalement, c'est bon. Je pourrais te montrer les trucs. J'ai la lumière là. Je vais voir si je vais pas la monter plus haut et faire une contre-plongée comme ça. Ou sinon, ben, tout droit en POV. Je vais voir ça. Bon, en tout cas, c'est bon. On est bien. Bon, en fait, j'ai dû changer l'angle de la caméra. Parce que, en fait, dans l'angle comme ça, le plan il était comme ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Or que là, comme ça, je suis bien. Comme ça, quand je mets mes mains, il y aura vraiment un vrai plan POV. Ok. Et aujourd'hui, on va ouvrir le colis de E Studio Sport. Très bon magasin pour l'audiovisuel. Je les aime beaucoup. Voilà la caméra full équipée avec la poignée en bois de chez Small Rig. C'est la même marque que la cage. Très bonne marque d'ailleurs. J'aimerais bien qu'ils me sponsorisent un jour. Et puis voilà, on va offrir une bonne expérience audiovisuelle. Sachant que le Sony A6600, cette caméra, elle a une bonne qualité. Elle fait les choses bien. Donc facile à utiliser. On pourra faire du beau contenu. Pour l'unboxing, je me suis dit, je vais le faire de manière traditionnelle, comme on a l'habitude de le faire. D'accord? Face cam, avec la vraie caméra, le son et tout. D'ailleurs, tu peux voir un peu l'effet du mist que j'ai pris. Enfin, c'est le filtre de diffusion, ça s'appelle le mist, un filtre mist, pour au niveau de la lumière. Normalement, tu vois, ça fait un léger halo, normalement, parce que j'ai profité pour mettre mon mist, mon filtre que j'ai acheté. Alors, ouais, je vais prendre le ciseau. Ce qui est bien, c'est que c'est un vlog. Ça veut dire que là, on est tranquille. On est tranquille, il n'y a pas de prise de tête. Les vlogs, c'est sans prise de tête. J'ai pas prévu de mettre un gros colis parce que j'ai pas pris beaucoup de choses. Et là, mon colis, il est venu extrêmement vite. Normalement, il vient pas aussi rapidement. Là, il est venu en 2 jours. C'est incroyable. Alors, premier truc, un truc que je pourrais pas te montrer, mais j'ai pris 2 hauts. Alors, c'est 2 fois le même haut. C'est un haut pour moi et madame, c'est un haut en commun, parce que moi, je suis un mec comme ça, j'aime bien quand on est habillé pareil et tout. Et moi, je suis un mec à l'ancienne. Donc, je te montrerai en capture ce que ça fait, mais ça va être cool, on va essayer ça ensemble, parce que je vais la voir après. Donc ça, je mets ça là-bas.
En termes de compléments, premier complément, ça, protéines, soy protéines, il me semble que c'est soja, il me semble. J'ai pris goût coco. Alors apparemment c'est bon. On m'a dit dame, test et tout. Je vais voir, je vais tester ça. Protéines soja, goût coco. C'est une protéine végane, donc on va tester ça. Avec un shaker maille vegan, bah oui, maille vegan. Je suis pas vegan, mais maille vegan, les gars. C'est important. C'est quoi ça? Ah oui, je voulais tester ça. Hot mocha ou mocha? Je crois que c'est mocha. Du café. J'ai pris du café. C'est pas du. C'est du café protéiné. 15 grammes de protéines. Bon, j'ai pris du café protéiné. Parce qu'en fait, le truc, c'est que on a une cafetière à la maison. Et j'ai mal au ventre quand je bois du café dedans. Donc je sais pas si on fait un détartrage et tout, mais au moins moi j'aurai mon propre truc. Je me suis dit, My Protein, ils ont tout. Ils ont bien un peu de café. Mais j'avais pas vu que c'était café protéiné. J'avais pas vu. 15 grammes de protéines, franchement, c'est bien. Végétarien, low fat. Franchement, on va tester. Hot mocha. Ou mocha, je sais pas comment on dit. Ensuite, on a que des petits trucs. Ça, Flav Drop, alors j'ai jamais testé ça. Apparemment, il me semble, c'est un truc où tu le prends en pipette, tu le mets dans tes aliments et ça donne un goût, une arôme un peu sucré pour mieux manger tes repas, surtout quand tu es en sèche. Là, c'est à la vanille. Donc je vais tester ça dans des petites recettes de pancakes et tout et je te dirai si c'est bon. Mais d'après les personnes qui l'utilisent, c'est très très bon. Donc on va tester ça. Flav Drop. Ensuite, les gars, multivitamine gummies. Rappelle-toi quand je t'ai dit que j'étais KO en ce moment. J'étais KO avec le taf. Rappelle-toi. D'ailleurs, je vais te dire avec le taf parce que avec le taf là, ils m'ont fait un truc de fou. Mais là, ça, je serais bien tous les matins, mon petit gummies. Vitamine C, c'est important. Goût strawberry, ben oui, goût fraise, les gars. C'est important. Donc ça, je suis bien. Ensuite, oh, failli faire tomber. Ashwagandha gummies. Les gars, c'est la base. L'ashwagandha, c'est la base. Ashwagandha gummies. Il faut en prendre. Avoir son taux de testo naturel le plus haut possible, c'est bien. Ok? Il me semble que j'en ai pris deux. Ouais, j'en ai pris deux. Et le dernier complément, mélatonine, gummies. Alors, j'en ai pris deux aussi. Ça, c'est pour le sommeil, pour améliorer la qualité de son sommeil. J'en ai pris deux, comme ça, je suis bien, je suis tranquille. Il y en a 60 dedans, il faut en prendre combien? Il faut en prendre un. Donc, bah, ça va en soi. C'est pour 2 mois. Donc là, j'ai 4 mois. 4 mois pour bien dormir. Donc je vais voir si ça marche, je vais voir si c'est bien, sachant que je prenais déjà ce complément là en gélule classique, standard, ça me faisait du bien. Donc là, je vais essayer de bien dormir et voir si ça marche. En tout cas, c'est tout pour cet unboxing. Si jamais tu veux des compléments, tu veux soutenir, mets le code DAMS. Ok? C'est important, le code DAMS. Moi, je vais manger un petit truc, je crois, et me reposer parce que franchement je suis fatigué. Puis j'ai pas beaucoup dormi aujourd'hui et on se retrouve à la salle, ok? On va se faire une petite séance cool et puis je vais te parler un peu de ce qui va se passer sur la chaîne posément comme ça ou dans un autre décor et on va voir ce qu'on peut faire, ok? Bon, je te fais un petit topo. Hier, je devais aller à la salle. Malheureusement, je ne suis pas allé. J'avais une mission de dernière minute à faire. Et aussi un petit montage rapide pour un client à faire. Donc, je l'ai fait. Et j'ai profité pour faire le montage du vlog. Enfin, le début de montage du vlog numéro 1. Aujourd'hui, on est le lendemain. Je me suis réveillé. J'ai fini le vlog 1. Je l'ai upload sur ma chaîne, il sera disponible ce soir, enfin à l'heure où d'aujourd'hui. Mais bon, il sera déjà sorti quand tu verras cette vidéo. Et là, on va aller à la salle, là. On va aller à la salle, on va faire du contenu vertical pour des shorts, pour des reels, pour tout ça.
et faire évoluer un peu le business, ok? On va faire ça bien. Cette semaine, on va faire pas mal de contenu pour MyProtein. Là, j'ai séché tous mes vêtements MyProtein. Il y a 2-3 vêtements Nike, mais il n'y a que du MyProtein. C'est incroyable. Tout séché. Bon, le contenu vertical a été fait. Par contre, là, j'ai fait ça avec une de mes anciennes caméras. Ça veut dire que vertical, ben, il prend en compte comme ça, comme si j'avais filmé en horizontal. Mais je vais devoir recadrer ça, mais c'est pas très grave. Là, franchement, elle a fait super chaud aujourd'hui. C'était insupportable, infernal. J'ai pas fait semblant et tout. Je filme, je marche. Il a fait trop chaud, c'était trop. Vraiment. On va organiser ça dans les dossiers tranquillement et puis je te fais le petit topo. Bon, je te fais un petit topo vite fait. Tu vois, hier, je me suis réveillé de mauvaise humeur de fou. Parce que je t'explique. Avant-hier, je reçois ma fiche de paie. J'ai ce qu'on appelle des problèmes d'adulte. D'accord? J'aurai ma fiche de paie. Je suis pas content quand je vois le chiffre. Parce que j'ai travaillé 168 heures. Et rappelle-toi, dans mes programmes, là, mes programmes du mois de juin, si je me trompe pas, je t'ai dit, GG, les gars, je suis KO, je fais 168 heures. Je me repose très peu et tout. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je serai bien payé. Je regarde, il me manque 3 jours. Donc je me dis quoi? Je me dis, bon, je vais appeler le taf. Déjà demain, je viens pas. Enfin, le lendemain, là, je viens pas et on verra, tu vois. Du coup, quand ils m'ont appelé pour venir travailler parce que je suis pas venu, je leur ai dit concrètement, les gars, j'ai pas été payé, on fait comment, tu vois? Ils ont dit, t'inquiète, viens au travail d'abord et après on verra. Je leur ai dit, je viens pas. Demain, je viens pas. Après-demain, je viens pas. Et après-demain, je viens pas. En fait, tu vois, moi, je suis comme ça, tu vois? Parce que, hey, les gars, j'ai fait un mois et demi sans avoir de jours de repos consécutifs. Ça veut dire, j'avais que un repos. Un repos, je travaille 4 jours. Un repos, je travaille 5 jours. Un repos, je travaille 3 jours. Après, un repos, tu vois, et c'était que des trucs comme ça. Et c'est super épuisant. Sachant que je remplace des personnes, c'est super épuisant. Mais bon, là, apparemment, ils ont trouvé une solution. Même si que je vais pas venir quand même. Parce que ça me permet de travailler un peu sur moi, faire du contenu pour moi et aussi trouver des clients. Parce que je t'explique. Quand j'ai vu ça, j'ai appelé certains de mes clients et je suis disponible et tout, faire tantôt. Donc j'ai pu rentabiliser financièrement les sous qu'on m'a pas donné et qu'on va me donner, tu vois. Mais là où je vais pas aller au travail, ben je vais bosser un peu sur mon entreprise et rentabiliser ça, pardon. Parce que là, je prépare un déménagement, donc je dois travailler en CDI et en plus de ça, je dois faire quelques tournages, donc je vais me faire le plus de sous possible pour déménager dans de bonnes conditions, tu vois. Donc ouais, hier j'étais vraiment énervé. Et je suis dégoûté aussi, je suis désolé. Parce que le plan en POV pour l'unboxing, il était bien, il était vraiment bien, il était lourd. C'était trop bien, j'ai kiffé. Mais je suis parti à la salle, j'ai formaté la carte et voilà. En faisant le montage, j'ai vu qu'il n'y avait plus les rushs. C'était mort. Mais sinon, voilà, j'ai juste pris une petite cage pour mon Sony AC1600. Et pris les équipements nécessaires pour bien l'équiper, afin de faire des bonnes vidéos. Parce que mon projet à moi, c'est de faire des petites vidéos avec des guests et tout. On se filme entre nous, il n'y aura pas de caméraman. Et le petit Sony, c'est une caméra qui est facile à utiliser. Donc j'ai pris de quoi bien l'utiliser et de quoi avoir un confort quand je vais l'utiliser avec un pote, un ami ou une connaissance qui veut faire une vidéo avec moi. Donc j'ai fait ça bien. En tout cas là je suis KO. Là on est déjà le soir. Je vais me reposer tranquillement. J'espère que tu kiffes ces petits formats vlog, ces formats, nos prises de tête. On va continuer à en faire. Peut-être tout le monde, on va voir c'est comment. Et puis voilà, en tout cas, mets un j'aime, mets un commentaire, c'est important. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Commande avec le code DAMS sur MyProtein. Et puis moi je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.